Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo Rideton de l'été 2015. J'ai trouvé ce fameux challenge sur la chaîne de Margot Liseuse qui le propose donc pour cet été 2015 et ça m'a donné vraiment trop envie de le faire. C'est le premier Rideton que je fais. J'ai encore jamais réalisé tout ce qui est Weekend d'Amil, Challenge Harry Potter, ce genre d'événement qui est organisé sur les blogs et sur Booktube, donc je me suis dit que ce serait plutôt pas mal de commencer cet été. Ce sera une période en plus où j'aurai du temps pour lire, vraiment me poser mes bouquins, moi, tranquille. Ce challenge se déroule du 13 au 20 juillet. Moi personnellement, j'ai choisi de lire 5 livres pendant cette période. Je sais qu'il y en a qui se sont lancés le challenge de 7 livres, un livre par jour, mais vu que pour moi il y a quelques pavés, je me voyais pas trop en lire un par jour. Pour ce challenge, il y avait des catégories, donc qui étaient bien définies à l'avance, que moi j'ai chopé sur la chaîne de Margot, mais j'ai pas repris les mêmes catégories, j'ai fait un petit peu ma sauce pour ce challenge. Je vais donc vous présenter ces bouquins maintenant. Pour la première catégorie, j'ai choisi un livre où il y a le nom du personnage dans le titre. Comme en plus c'était un livre qui était dans ma pile à lire de cet été, je me suis dit, joignons l'utile à l'agréable, allons-y. Pour cette première catégorie, j'ai donc choisi Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Stevenson. C'est vraiment un grand classique à mes yeux. Je l'ai encore jamais lu, il est petit, il fait quoi? Ouais, 150 pages. Donc je trouve qu'il a tout à fait sa place dans ce Rideton. Pour le deuxième livre, j'ai voulu prendre un livre de la catégorie plus de 300 pages, pour avoir quand même un bon gros pavé. C'est un livre qui était également dans ma pile à lire de l'été, que j'ai envie de lire depuis bien longtemps, et que je viens de trouver. C'est le Da Vinci Code de Dan Brown, qui est un incontournable, non plus super à la mode en ce moment, hein, c'est sûr que ça fait vraiment longtemps qu'il est sorti. Mais voilà, j'ai envie de m'y plonger, allons-y. Ça se passe au Louvre à Paris, je sais pas exactement encore l'histoire. Nous verrons. Pour la troisième catégorie, j'ai voulu prendre un livre que on m'a choisi. Parce que j'avais une pile à lire, j'avais plus trop d'idées d'inspiration, donc on m'a choisi. Et on m'a choisi La vie blues de Anne Nolan aux éditions Gallimard dans la collection Scripto. Le critère de choisissage de la personne en question était c'est le livre le plus turquoise de ta pile à lire. Le quatrième livre, c'est un livre qui n'est pas mon genre habituel. J'ai donc choisi La sélection de Caracas. Ce livre est dans ma pile à lire depuis très peu de temps, mais il a beaucoup fait parler de lui sur Booktube. J'ai vu récemment un avis négatif de Brody Books, donc ça m'a donné un petit peu moins envie de le lire, mais bon, je tente quand même pour ce Rideton. Et enfin, la dernière catégorie, c'est un livre qui va être adapté au cinéma. Et j'ai choisi Miss Peregrine et les enfants particuliers. Parce que il a l'air trop bien, parce qu'il faut que je le lise parce que j'ai envie, parce qu'il va être adapté au ciné bientôt et que je veux absolument le finir avant, parce que Cassandra de Croque-Lémo, elle fait que d'en parler et que moi j'ai trop envie de le lire. Donc ce sera Miss Peregrine. Voilà, c'est fini pour cette vidéo Rideton de l'été 2015. Donc je ferai le challenge du 13 juillet minuit au 20 juillet minuit. J'espère vraiment réussir à lire, allez, au moins 4 livres. Si j'en lis 4, je serais contente. Mais les 5, ce serait pas mal. Voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. N'hésite surtout pas à reprendre ce challenge si ça vous fait plaisir. À me dire quel genre de livre vous avez envie de mettre dans ce challenge, que vous aimeriez lire cet été. S'il y a des livres là-dedans que vous avez aimés, que vous n'avez pas aimés, faites-vous plaisir. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, bonne lecture! Bye!